Un mari normal. Mobali penape mobali. Qui est aussi intelligent, qui parle bien. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah maman, problème est en place moussous. Ah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais même là, c'est le choix que tu as fait. Quand tu fais un choix, tu assumes. Ne touche pas à un homme d'autrui. Que Dieu te délivre du mal. Il faut éviter de regarder l'homme d'autrui et d'envier. C'est un produit travaillé. S'il était brut, tu n'allais pas prendre. Il y a des hommes, se sont mariés. C'est pas sur toi, hein, Serge. C'est juste un exemple. Ils étaient minces. Maintenant, la tête, la nuque sort. Ça veut dire, toi-même, tu regardes, tu dis, hé, la fille ici est courageuse, elle a épousé cet homme. Donc, toi-même, même dans les photos de mariage, tu dis, hé, cette fille vraiment. Regarde la tête. Produit brut, maman. Brut. Dis un voisin, produit brut. Produit brut. Tu vois quelqu'un d'autre tellement mince, pantalon, dongi. Il marche comme quelqu'un qui veut tomber. Produit brut. Cheveux bizarres. Bougie derrière. Ceux qui connaissent Bougie derrière sont où? Regarde, les petits enfants là ne connaissent pas. Bougie derrière. Toi-même, tu te poses la question, c'est quoi ça? Produit brut. Mais lorsque une femme de vision va prendre cet homme-là, va traiter cet homme-là, après quelques années, toutes les femmes commencent à tourner autour. Je dis à quelqu'un, si Dieu te dit que c'est lui, prends le produit brut, travaille le produit. N'envie pas l'homme d'autrui. Comme j'ai connu une femme qui enviait les cuisses d'un homme marié. Oui, oui. Oui, oui. 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 J'ai eu à faire des réunions même trois fois pour donner la paix à cette histoire-là. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le couple qui a été lésé, donc la femme qu'on enviait son mari, elle a quitté l'église. Oui, je parle pas de l'œil de Jésus, je parle de l'église. Elle a quitté l'église. Parce qu'elle n'a pas pu supporter. Cette autre femme-là, elle ose dire. Ce n'est pas seulement qu'elle a admiré, elle dit. Il a des beaux cuisses. Maman, je te dis, quand il est dans le quartier, là, parce qu'ils habitaient le même quartier. Quand il sort le soir avec sa culotte. Ouh, je n'arrive pas. Mais la femme dont je te parle est mariée. Oui. D'ailleurs, au moment où je parle, elle est divorcée. Elle était mariée. Mariée. Voilà pourquoi moi je ne suis pas accroché au merci Seigneur pour la grâce. Je ne suis pas accroché aux ailes des gens. C'est la grâce que Jésus m'a faite. Moi, je panique pas devant les ailes de quelqu'un. Maman, la manière dont elle était venue avec les ailes à l'église. Maman, quelles ailes? Zèle, elle veut tout faire. Moi, je l'observe de loin. Je l'observe. Comme j'avais beaucoup mon temps à ma campagne, donc quand je venais ici, j'observe. Je regarde. Je me renseigne, je demande c'est qui. On m'explique. Les hommes charnels aussi de l'église. La trouve zélée. Oh, maman, l'amour. En tout cas, elle a les ailes. Ça, ce sont les hommes charnels. Moi, j'observais. Après un moment, quelqu'un est venu me dire, en tout cas, maman, moi, je pense qu'il faut prendre cette femme dans le département des femmes. Il faut la prendre. Il faut vraiment, maman, que tu travailles sur elle. Elle a le ministère. J'ai regardé.
J'ai dit merci. Merci pour ta proposition. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que la catastrophe a éclaté. Les gens sont venus à mes pieds pour me dire, maman, tu avais raison. Comment tu avais vu? Je leur ai dit, je n'avais vu aucune prophétie. Je ne vais pas mentir au nom de Dieu. Je n'avais vu aucune prophétie. J'ai seulement observé. Cette femme-là, zèle. Ah, maman, toujours peu matin. On ne se reposait pas. Je te dis la vérité. Même quand on est à la maison, elle appelle. Maman, je veux passer. Je veux déposer 3 sacs de riz. Je lui dis, madame, on n'arrive pas chez moi. Si tu veux déposer, tu vas voir mon fils, le pasteur Diedo. Chez moi, on n'arrive pas. L'église, ce n'est pas ici. D'accord, maman. Alors, on se voit jeudi. Je dis, oui, on se voit jeudi. Maman, je suis froide comme la glace. Quand moi je ne sens pas quelqu'un, je suis froide comme la glace. Tu vas beaucoup parler, je vais te regarder. Maman, les ailes. Elle va à gauche. Cadeau. Elle va là-bas. Cadeau. Moi je regarde. Je reçois des fois des SMS de certaines de mes filles. Maman, elle m'a offert ceci. Ma bouche était fermée. Je sais que pour certains ici, c'est la première fois même qu'ils m'écoutent parler de ça. Ma bouche était fermée. Oh maman, elle m'a offert. No comment. Je ne disais rien. Parce que je trouvais quelque chose d'obscur. Et puis un beau jour, on m'appelle la furie. Oh maman, il faut venir. Il faut trancher ça. Aujourd'hui, quelqu'un va mourir. J'arrive. On était de l'autre côté là-bas. J'arrive. Oui. Je vois un monsieur très serein, mais un peu bouleversé. Et puis à côté, sa femme. Pasteur, telle sœur, votre fidèle. Je dis, mais toi aussi, tu es notre fidèle, non? Oui, mais je parle d'abord d'elle. Mon mari ici. C'est d'ailleurs moi qui la tire un peu à l'église. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a dit, il y a des preuves, il y a ceci. J'ai dit, vous parlez de qui? La femme zélée là. Maman apôtre. Maman Thomas. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Je l'ai appelé. C'était tellement grave qu'il fallait le faire asseoir. Je lui ai posé d'abord la question à part. Oh maman, non, ils ont mal pris. Oh maman, quand quelqu'un commence comme ça, les mal. Ils ont mal pris quoi avec les maris d'autrui? Je lui ai dit, mais maman, toi tu es marié, non? Tu as autant d'enfants. Mais comment tu peux envier les cuisses d'un autre homme? Non, maman, c'est juste un compliment. Hein? Et quand j'approfondis maintenant l'histoire, je vais découvrir même par les bonnes qui m'ont renseigné, la bonne du couple là, qui me renseigne qu'elle venait même à la maison quand la femme allait au travail, elle vient à la maison. Maman, elle vient à la maison en cinglé. De la voisine, hein? Elle traverse la rue, elle va là. Non, il y a des choses à l'église. Elle va. La bonne me dit, elle vient de temps en temps. Et la dernière fois d'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec les patrons parce que le patron l'a chassé au salon. Donc elle voulait quoi? Je lui ai dit ceci. Si tu ne me dis pas la vérité, je veux dire à la femme là que toi tu vas chez elle. Parce que je sais que tu vas chez elle. Oh, maman. Non, Seigneur éternel. Je vois même le visage quand je parle là. J'ai dit, les gens de visage que tu vois que le sorcier est passé par là. Manipulatrice. Maman. Maman. Maman, tu es une mère. Osapena, maman. Moi, j'aime pas les gens qui me disent
Et je t'annonce déjà, je n'aime pas ça. Parce que derrière, il y a toujours la manipulation. Je sais moi-même que je suis une mère. Tu, maman, tu es une mère. Tu as le cœur de mère. Maman, tu dois supporter. Maman, je suis seulement un fils, une fille. Donc, tu veux me dire que tu as vraiment courtisé le papa. Alors que elle a un mari, je vous dis. Un mari normal. Qui est aussi intelligent, qui parle bien. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah, maman, problème, ils ont place Moussous. Ah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais même là, c'est le choix que tu as fait. Quand tu fais un choix, tu assumes. Ne touche pas à un homme d'autrui. Que Dieu te délivre du mal. C'est dans les choses dont je parle aujourd'hui. Cette dame dont je parle, elle est divorcée. Moi, j'étais en train de le dire, pas comme une prophétie. Ce sont seulement, c'est un discernement d'esprit seulement. Je disais à mon mari, cette femme ne restera pas dans son mariage. Ce mariage va se briser. Ça se brise. Ça s'est brisé en catastrophe. Attention, n'oublie pas l'exemple que j'ai donné. Tu touches à l'autel, tu as porté l'autel brisé. Envier le conjoint d'une autre personne peut perturber l'harmonie et créer des tensions inutiles. Dans la Bible, le 10e commandement, présent dans Exode 20:17, met en garde contre la convoitise des biens d'autrui, y compris leur conjoint. Il enseigne que le contentement et la gratitude pour ses propres bénédictions sont des vertus importantes. L'envie peut éroder la confiance et cultiver le mécontentement, c'est pourquoi il est essentiel de se concentrer sur les bénédictions de sa propre vie plutôt que de convoiter ce que les autres ont. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion Chrétienne pour plus de communion.